Il m'est arrivé quelque chose de bien particulier, n'est-ce pas ? J'ai cessé d'être écrivain, n'est-ce pas ? Pour devenir un chroniqueur. Alors j'ai mis ma peau sur la table. Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. Ce qui est fait gratuite, sans gratuite. Et plus de gratuite. Alors, peut-être que je n'ai que des écrivains gratuits, qu'est-ce qu'on me montre ? C'est des gratuites. Quand en 1936, le 1er septembre exactement, Louis Destouches s'apprête à embarquer pour Leningrad, depuis le port du Havre, il n'est plus tout à fait seulement le fringant docteur occupant un poste de vacataire au nouveau dispensaire de la mairie communiste de Clichy. Non, non. C'est désormais le célèbre Céline, que l'on connaît depuis 4 ans déjà comme l'auteur d'un roman qui devait ébranler le monde des lettres, Voyage au bout de la nuit. C'est aussi, depuis le printemps de cette même année 36, le scandaleux auteur de Mort à crédit, couvert de crachats par une critique littéraire presque unanime. Je reviendrai un autre jour sur ces formidables chefs-d'œuvre, mais retenons seulement pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, savoir le libelle anticommuniste mea culpa, que M. Céline avait été immédiatement repéré, quand il n'avait pas été carrément récupéré, par différentes personnalités de la gauche des années 30. En effet, peu de mois après la publication de Voyage, Trotsky commençait ainsi un fameux article. Je cite. Louis-Ferdinand Céline est entré dans la grande littérature comme d'autres pénètrent dans leur propre maison. Homme mûr, muni de la vaste provision d'observation du médecin et de l'artiste, avec une souveraine indifférence à l'égard de l'académisme, avec un sens exceptionnel de la vie et de la langue, Céline a écrit un livre qui demeurera, même s'il en écrit d'autres et qui soit au niveau de celui-ci. Fin de citation. En janvier 1934, la traduction russe de Voyage paraissait en URSS, non sans être passée, pour plusieurs chapitres, sous les fourches codines de la censure bolchévique. À l'initiative de cette traduction, Elsa Triolet, la compagne du poète communiste Louis Aragon, dont le rôle dans les coupes imposées au texte russe n'a pas encore été bien déterminé par les chercheurs céliniens. Enfin, comme dernier exemple pour notre petite vidéo de l'influence immense du premier roman célinien chez les auteurs à gauche du spectre politique, je prendrai celui de Jean-Paul Sartre. Sa compagne, Simone de Beauvoir, rapporte dans La force des choses, paru chez Gallimard en 1960, « Le livre français qui comptait le plus pour nous cette année-là, ce fut Voyage au bout de la nuit de Céline. » Nous en savions par cœur des tas de passages. Son anarchisme nous semblait proche du nôtre. Il s'attaquait à la guerre, au colonialisme, à la médiocrité, au lieu commun, à la société, dans un style, sur un ton qui nous enchantait. Céline avait forgé un instrument nouveau, une écriture aussi vivante que la parole. Quelle détente, après les phrases marmoréennes de Gide, d'Alain, de Valéry. Sartre en prit de la graine. Fin de citation. Du reste, Sartre en prit tellement de la graine, écrit-elle ailleurs, qu'il dut abandonner, je cite, son style gourmet, pour imiter dorénavant le style célinien. Ferdine s'en moquera du reste dans ce qui reste, à mon avis, le plus génial pamphlet jamais écrit à ce jour contre un écrivain, à l'agité du bocal. Mais plus sur ceci dans une future vidéo. Ainsi, quand Céline débarque à Leningrad début septembre 36, ça n'est assurément plus du tout un inconnu sur la scène littéraire. Et certes, l'apparition quelques mois plus tôt de Mort à crédit, l'onde de choc scandaleuse que ce chef-d'œuvre avait suscité, n'avait pas peu contribué à en remettre une couche. Parti à ses propres frais en touriste, comme il se plaira à le répéter plus tard dans Bagatelle pour un massacre, Céline reste à Leningrad 3 semaines. On sait qu'il visite au moins un hôpital, le célèbre théâtre Mariinsky, le musée de l'Ermitage
et les palais impériaux de Tsarskoïe Selo. Céline avait aussi, semble-t-il, projeté de partir à Moscou pour y récupérer les droits de traduction de son voyage au bout de la nuit. Mais il y renonce, probablement par dégoût de ce qu'il avait déjà pu observer jusque-là. Du reste, les différentes lettres qu'il envoie à ce moment-là en témoignent. Ainsi, à sa maîtresse juive Silly Pam, celle-là même qu'il avait introduit quelques années plus tôt dans les milieux freudiens de Vienne, il écrit, je cite, « Je suis revenu de Russie. Quelle horreur, quel bluff ignoble, quelle sale, stupide histoire. Comme tout cela est grotesque, théorique et criminel. » Fin de citation. Bref, Céline rentre en France le 21 septembre à bord du Meknès. Il s'attelle aussitôt à la rédaction de Mea Culpa. On en connaît quatre versions préparatoires. C'est un texte capital, un condensé remarquable de la vision célinienne de l'homme. L'écrivain tire en effet de son expérience communiste des conclusions dont la sévérité est celle des pères de l'Église, auxquels il se réfère d'ailleurs explicitement. Je lirai cette page en fin de vidéo. Ce que Céline a vu du communisme en septembre à Leningrad, les discours tenus par les officiels pour exalter ce qu'il y voyait, tout cela a fait émerger dans son écriture un ton nouveau, polémique, virulent, une prise à partie directe, en dehors de la fiction, menée en son nom propre. Mea Culpa visait tous ceux qui diffusent à tous les niveaux la doctrine qu'il tient pour responsable de l'état des choses qu'il découvre en URSS et qu'il lui fallait dénoncer dans l'urgence. Il faut dire que sa dénonciation tombait à point nommé. En effet, la publication de Mea Culpa coïncidait en France avec une multiplication de récits de voyages en URSS. Phénomène du reste qui s'explique par plusieurs facteurs. La consolidation du régime et de la société soviétique, bien entendu, mais aussi la naissance et la victoire du Front Populaire en mai 1936, avec l'accès du Parti communiste français, le PCF, à une position nationale. Enfin, la détérioration de la situation internationale à partir de la guerre d'Espagne, en juillet de cette même année 36. Ces différents facteurs expliquent l'apparition cette année-là de plus de 125 ouvrages consacrés au phénomène communiste, rien que pour la France. Je rappelle l'apparition du retour de l'URSS de Gide, par exemple, tiré à plus de 146 000 exemplaires en un an, hein, en 36. Le pamphlet de Céline sera loin d'un tel succès. Lors de son récapitulatif, l'imprimeur Belnan signale qu'à la date du 3 décembre 1947, donc 11 ans plus tard, les 4 tirages réalisés pour un total de 28 700 exemplaires ne seront pas épuisés. Bref, entrons maintenant dans le vif du sujet. Et d'abord le titre, Mea Culpa. Cette expression latine est répétée 3 fois par les fidèles chrétiens pendant le Confiteor, cet acte de pénitence récité avant de communier au pain eucharistique. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. En français, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Mea culpa, mea grandissima culpa. Au moment de prononcer cette triple formule, le fidèle se frappe 3 fois la poitrine. En français, il est resté trace de ce rituel dans la formule battre sa culpa. Céline, qui n'était pas native du Gémeaux pour rien, choisit à dessein ce titre ambigu de Mea culpa. En effet, il sait très bien qu'une large part du public associe, plus ou moins consciemment, son nom à la gauche française des années 30. Après tout, n'était-il pas un médecin stipendié par une mairie communiste? Et la toute première photo de lui dans la presse, à l'apparition de Voyage au bout de la nuit, ne le montre-t-elle pas entouré de ses collègues en blouse blanche sur son lieu de travail, au lieu de la traditionnelle pose de l'écrivain bourgeois entouré de ses livres dans quelque confortable bureau de travail? N'avait-il pas fait paraître en 1930 un article sur la santé publique en France dans la revue hebdomadaire Monde, fondée par l'écrivain communiste Barbus? Cet article, du reste, se terminait ainsi, je cite. Divers auteurs ont prétendu pouvoir déterminer le degré de civilisation d'un pays à la manière dont on y traite les animaux. Ce critérium nous paraît assez ingénieux et valable, mais nous proposons qu'on l'étende à la manière avec laquelle on soigne, on ménage les classes pauvres et laborieuses qui sont dans tous les pays les plus désarmés. Fin de citation. Dans son mémoire pour le cours des hautes études adressé à la Société des Nations,
l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, en 1932, Louis n'avait-il pas conclu en expliquant, je cite, « Il faudrait que cette société s'écroulât pour qu'on puisse parler véritablement d'hygiène généralisée, qui ne s'accorde bien qu'avec une formule socialiste ou communiste d'État. » Fin de citation. Bref, ces différents éléments que je viens de citer, et bien d'autres encore, sur lesquels j'aurai l'occasion un jour de revenir, pouvaient laisser croire à un Céline sensible aux revendications communistes. Ainsi, le titre de Mea Culpa signifierait quelque chose comme « Mille excuses, c'est ma faute, j'y ai cru, je m'en mords les doigts, je tourne au casaque. » Et c'est bien comme cela que le célèbre Henri Guillemin, pour ne citer qu'un critique littéraire de l'époque, l'avait compris. Je cite. « Ils ne profèrent pas que des blasphèmes ou de toutes gratuites et bien creuses injures. Voyage au bout de la nuit déjà nous avait fait savoir que ce délirant, très lucide, est loin de parler toujours pour ne rien dire, et pour le seul plaisir de son tintamarre. Céline s'irrite, c'est-à-dire bien entendu qu'il explose, contre ceux qui l'ont traité de renégat après son petit livre de l'an dernier sur l'URSS. Mais enfin, le titre, c'était bien mea culpa. Et si ce titre-là ne veut pas laisser entendre une repentance, une volte-face, quoi d'autre alors ? Fin de citation. Mea culpa, bien plus qu'une dénonciation de l'Union soviétique, est en réalité la dénonciation de toute une tradition d'humanisme matérialiste. Pour Céline, je cite, « Ce qui séduit dans le communisme, l'immense avantage à vrai dire, c'est qu'il va nous démasquer l'homme. Enfin !» Fin de citation. C'est-à-dire l'homme véritable qui se cache derrière une image mécaniste et matérialiste ancienne, qui trouve son expression dans la formule du philosophe bavarois Ludwig Feuerbach. Je cite « L'homme est tout juste ce qu'il mange ». Que Céline attribue au théoricien communiste allemand Engels, le grand ami de Karl Marx, que l'on sait. Et c'est cette image matérialiste de l'homme qui cache sa véritable essence et qui permet toute une tradition de construction sociale qui a pour but le bonheur. Or, Céline prévient, je cite, « La grande prétention au bonheur, voilà l'énorme imposture. » Fin de citation. Cette tentative de créer le bonheur matériel aboutit inéluctablement à une société dont l'Union soviétique fournit un exemple, mais il est loin d'être le seul, dont la caractéristique est d'être dominée par des ingénieurs. Cette société ressemble à une vaste usine. Je cite. La machine, c'est l'infection même, la défaite suprême. Quel flan, quel bidon. La machine la mieux stylée n'a jamais délivré personne. Elle abrutit l'homme plus cruellement, et c'est tout. J'ai été médecin chez Ford, je sais ce que je raconte. Tous les Ford se ressemblent, soviétiques ou non. Se reposer sur la machine, c'est seulement une excuse de plus pour continuer les vacheries. C'est éluder la vraie question, la seule, l'intime, la suprême, celle qui est tout au fond de tout bonhomme, dans sa viande même, dans son cassis et pas ailleurs. Le véritable inconnu de toutes les sociétés possibles ou impossibles. Personne de ça n'en parle jamais. C'est pas politique, c'est le tabou colossal, la question ultime défendue. Pourtant, qu'il soit debout, à quatre pattes, couché, à l'envers, l'homme n'a jamais eu, en l'air et sur terre, qu'un seul tyran, lui-même. Il n'en aura jamais d'autre. C'est peut-être dommage, d'ailleurs. Ça l'aurait peut-être dressé, rendu finalement social. Fin de citation. Cette analyse, fondée sur sa propre expérience chez Ford, le conduit à conclure que toute tentative de baser une société nouvelle sur une image erronée et matérialiste de l'homme est vouée à l'échec, et qu'un régime qui prétend gérer une telle société ne peut le faire qu'en se transformant en régime policier. Je cite « C'est lui qu'entretient, Prolovitch, la police, sur sa propre misère, la plus abondante, la plus soupçonneuse, la plus carne, la plus sadique de la planète. » Fin de citation. Et cette société policière est bien sûr une société inégalitaire, où le commissaire et l'ingénieur sont rois. Je cite « Pourquoi le bel ingénieur, il gagne des 7000 roubles par mois ? Je parle de là-bas, en Russie. La femme de ménage, que 50. » Fin de citation. Autrement dit, l'expérience soviétique a échoué.
Je cite, « On est tous des fumiers, là-bas comme ici. » Et tandis que dans Voyage au bout de la nuit, les mignons du roi Misère sont partagés entre la patrie numéro 1 et la patrie numéro 2, en Union soviétique pendant les années 30, je cite, « Popu, gaffe-toi bien, t'es bien plus libre, compare-toi-même, que les esclaves d'en face, dans l'autre prison. » Fin de citation. L'expérience communiste, tout comme le régime capitaliste représenté par Taylor et Ford, est l'aboutissement d'un processus historique qui remonte à la fin du Moyen-Âge. Je cite, « La politique a pourri l'homme encore plus profondément depuis ces trois derniers siècles que pendant toute la préhistoire. Nous étions au Moyen-Âge plus près d'être unis qu'aujourd'hui. » Fin de citation. Ici, Céline rejoint tout un courant de pensée de la droite intellectuelle française de l'entre-deux-guerres, qui s'étend de Bernanos à Drieu-La Rochelle, où l'idéal est le Moyen-Âge, et pour laquelle la déchéance est consommée par l'assassinat de Louis XVI le 21 janvier 1793, moment où la bourgeoisie matérialiste a définitivement pris les leviers de commande. Je cite, « 1793, pour ma pomme, c'est les larbins, larbin textuel, larbin de gueule, larbin de plume, qui maîtrisent un soir le château, tous fous d'envie, délirants, jaloux, pillent, crèvent, s'installent et comptent le sucre et les couverts, les draps, comptent tout. » Ils continuent, jamais ils ont pu s'interrompre. La guillotine, c'est un guichet. Ils compteront le sucre jusqu'à leur mort, les morceaux, fascinés. On peut tous les buter sur place. Ils sont toujours dans la cuisine. Rien à perdre. On peut estimer, pour du vent, leur brelant d'intellectuels, impressionnistes, confusionnistes à tendance, tantôt bafouilleux vers la gauche, tantôt sur la droite, au fond de leur putaine âme, farouchement conservateur. Fin de citation. Dans ce contexte, ce n'est sans doute pas tout à fait par hasard si Mea Culpa s'est trouvé en volume avec la réédition de Semmelweis, qui débute également avec la Révolution française, et où la méditation célinienne sur la personnalité du savant double celle non moins importante sur le progrès social et les révolutions. L'échec de Semmelweis dans le domaine de la science complète et reflète l'échec du libéralisme dans le domaine de la politique. Et pour les mêmes raisons, je cite, « Vouloir trop de bien aux hommes » constitue une erreur fondamentale. Céline a-t-il cru un moment au taylorisme, au système Ford, comme seul moyen de contrôler la santé des populations sous des régimes parlementaires incapables? C'est peut-être l'une des sources de la culpabilité célinienne, ressentie devant l'exemple soviétique. Cependant, la véritable signification du titre de Mea Culpa se trouve dans une allusion vers la fin du libelle. Je cite, « L'homme, il est humain à peu près autant que la poule vole. Quand elle prend un coup dur dans le pot, quand une auto la fait valser, elle s'enlève bien jusqu'au toit, mais elle repique tout de suite dans la bourbe, rebecter la fiente. C'est sa nature, son ambition. Pour nous, dans la société, c'est exactement du même. On cesse d'être si profond fumier que sur le coup d'une catastrophe. Quand tout se tasse à peu près, le naturel reprend le galop. Je suis, tu es, nous sommes des ravageurs, des fourbes, des salopes. Jamais on dira ces choses-là, jamais, jamais. Pourtant la vraie révolution, ça serait bien celle des aveux, la grande purification. » Fin de citation. Voilà pour une présentation très générale de cette pièce essentielle au puzzle célinien qu'est Mea Culpa. Nous raconter son voyage chez les soviets, sa petite expérience. Son voyage chez les soviets, il est raconté dans c'est ce qui va être la rupture, Mea Culpa. Mea Culpa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû lui faire risette à l'époque, il avait été traduit par Elsa Triolet en Russie. La gauche, elle avait flairé quand même un grand écrivain et il pouvait très bien se rallier. Et il est parti en Russie. Alors, il est évident qu'avec 60 ans d'avance, il a fait un tableau, par exemple, les maladies vénériennes à Leningrad dans Bagatelle, c'est un tableau
et extraordinaire. Et alors là, on s'aperçoit qu'il est dans le vrai, parce qu'on a le texte d'autres qui sont simplement des gens qui vont voir la Russie. Ou par exemple, toute la prudence de Gide quand il parle de l'URSS, parce qu'il est, il part en ami, il part en communiste, et puis il revient. Il faut quand même qu'il dise la vérité, mais il met beaucoup, beaucoup de précautions. Donc Céline, il met les pieds dans le plat immédiatement. Mais seulement, ce qui est très caractéristique dans Mea Culpa, c'est que la façon de mettre les pieds dans le plat de Céline est très, très différente de celle des autres. Au fond, il fait une critique absolue du communisme. Il ne dit pas comme certains ont pu le dire, on va en Russie et c'est pas réussi et c'est raté, il y a Staline qui, etc., etc. Non, lui, c'est le communisme en soi qui est déjà le mal, chez lui, immédiatement. Alors avant de nous quitter, avant de clore cette vidéo, je propose de lire une page extraordinairement profonde, en tout cas à mon sens, dans laquelle Céline nous rappelle une bien antique vérité, savoir que le péché originel de l'homme, son péché capital, c'est d'abord et avant tout son orgueil, son insolence, son arrogance, sa prétention, sa suffisance, sa superbe, sa vanité. Deux, trois petites explications en préambule, explications lexicales et historiques. D'abord sur le mot orgueil. Le mot orgueil, ça dérive du grec ancien orgue. Ce mot d'orgue désignait tout type de gonflement, de renflement. Il nous est resté trace de cette origine dans l'expression française « avoir un gros coup ». Un type qui a un gros coup, c'est, en Belgique, chez nous, un dikkenek, c'est-à-dire une grande gueule, un vantard. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Du latin humus, qu'on a gardé en français, le humus, c'est-à-dire la couche grasse et fertile du sol. Notons que les pères de l'Église faisaient dériver homme de humus, en latin homo humus. En hébreu biblique, on a le même genre de jeu étymologique. Au début de la Genèse, l'homme, c'est Adam en hébreu. Or, le féminin de Adam, c'est Adama, la terre. Donc on voit bien, Adam est tiré de Adama. On entend ce même genre de paronomase qu'en latin. Pour nos anciens, tout ce qui vient flatter l'orgueil de l'homme est d'origine satanique. C'est pourquoi on n'hésitait pas à lui répéter en latin « Inter faeces et urinam nascimur et moriemur ». Nous naissons et nous mourons entre la merde et l'urine. Gardons bien tout ceci à l'esprit. Céline utilisera dans notre extrait l'expression « d'autor », d'A-U-T-O-R. Cela signifie simplement « d'autorité ». On rencontre ensuite un très joli mot que je n'avais jamais lu ailleurs, du reste. C'est le mot de putricule. Il semble que cela soit un mot valise. Ça voudrait dire quelque chose comme « qui a le cul putride », »,« qui pue du cul ». Enfin, on trouvera le verbe argotique « claboter ». Il signifie simplement « mourir ». À notre page maintenant. La supériorité pratique des grandes religions chrétiennes, c'est qu'elles doraient pas la pilule. Elles essayaient pas de détourdir. Elles cherchaient pas l'électeur. Elles sentaient pas le besoin de plaire. Elles tortillaient pas du panier. Elles saisissaient l'homme au berceau et lui cassaient le morceau d'autor. Elles le rencardaient sans embâge. Toi, petit putricule informe, tu seras jamais qu'une ordure. De naissance, tu n'es que merde. Est-ce que tu m'entends? C'est l'évidence même, c'est le principe de tout. Cependant, peut-être en y regardant de tout près, que t'as encore une petite chance de te faire un peu pardonner d'être comme ça tellement immonde, excrémentiel, incroyable. C'est de faire bonne mine à toutes les peines, épreuves, misères et tortures de ta brève ou longue existence. Dans la parfaite humilité. La vie, vache, n'est qu'une âpre épreuve. T'essouffle pas. Cherche pas midi à 14 heures.
sauve ton âme, c'est déjà joli. Peut-être qu'à la fin du calvaire, si t'es extrêmement régulier, un héros de fermer ta gueule, tu claboteras dans les principes. Mais c'est pas certain. Un petit poil moins putride à la crevaison qu'en naissant. Et quand tu verseras dans la nuit, plus respirable qu'à l'aurore. Mais te monte pas la bourriche, c'est bien tout. Fais gaffe, spécule pas sur des grandes choses. Pour un étron, c'est le maximum. Ça, c'était sérieusement causé par des vrais pères de l'église qui connaissaient leur ustensile, qui se miroitaient pas d'illusions. La grande prétention au bonheur, voilà l'énorme imposture. C'est elle qui complique toute la vie, qui rend les gens si venimeux, crapules, imbuvables. Il n'y a pas de bonheur dans l'existence, il n'y a que des malheurs, plus ou moins grands, plus ou moins tardifs, éclatants, secrets, différés, sournois. C'est avec des gens heureux qu'on fait les meilleures damnés. Le principe du diable tient bon. Il avait raison comme toujours, en braquant l'homme sur la matière. Ça n'a pas traîné. En 2 siècles, tout fou d'orgueil, dilaté par la mécanique, il est devenu impossible. Tel nous le voyons aujourd'hui, hagard, saturé, ivrogne d'alcool, de gasoline, défiant prétentieux l'univers avec un pouvoir en seconde. Héberlué, démesuré, irrémédiable, mouton et taureau mélangés, hyène aussi. Charmant. Le moindre obstrué et trou du cul se voit Jupiter dans la glace. Voilà le grand miracle moderne. Une fatuité gigantesque, cosmique. L'envie tient la planète en rage, en tétanos, en surfusion. Le contraire de ce qu'on voulait arrive forcément. Tout créateur, au premier mot, se trouve à présent écrasé de haine, concassé, vaporisé. Le monde entier tourne critique, donc effroyablement médiocre. Critique collective, torve, larbine, boucher, esclave absolu. Rabaisser l'homme à la matière, c'est la loi secrète, nouvelle, implacable. Quand on mélange au hasard 2 sangs, l'un pauvre, l'autre riche, on n'enrichit jamais le pauvre, on appauvrit toujours le riche. Tout ce qui aide à fourvoyer la masse abrutie par les louanges est bienvenu. Quand les ruses ne suffisent plus, quand le système fait explosion, alors recours à la trique, à la mitrailleuse, on bobonne. On fait donner tout l'arsenal, leur venue, avec le grand coup d'optimisme des ultimes résolutions. Massacre par myriades, toutes les guerres depuis le déluge ont eu pour musique l'optimisme. Tous les assassins voient l'avenir en rose, ça fait partie du métier. Ainsi soit-il. Gérard Guégan et Raphaël Sorin, vous avez fondé les éditions Champs Libres dans un esprit qu'on peut dire non conformiste. Je suppose donc que vous avez des idées qui sont les vôtres sur la politique de Céline en général et sur son antisémitisme en particulier. Gérard Guégan, par exemple. Bien, effectivement, l'antisémitisme de Céline a des racines populaires et des racines historiques. C'est le socialisme français du 19e siècle, mais c'est aussi, et on l'oublie trop souvent, même s'il ne l'a pas lu, encore faudrait-il, je veux dire, faire une étude précise des lectures de Céline, c'est aussi la question juive de Marx. Vous savez que Marx a écrit un texte retentissant en réponse à un autre texte de Bruno Bauer, où lui-même pose d'une manière radicale, c'est-à-dire donc, encore une fois, à la racine des choses, la question juive. Pour lui, la question juive, c'est il identifie le juif au capital. Il est le premier à le faire, et il pense que l'émancipation sociale du juif dans l'Allemagne du 19e siècle, c'est l'émancipation de la société du judaïsme qui perpétue la valeur de l'argent, qui perpétue la valeur du travail, le travail salarié, le travail aliéné. Donc là, c'est aussi, je veux dire, pour casser le mythe de l'antisémitisme de droite, il y a aussi, est-ce que Marx est antisémite ou non, en tout cas il est anti-juif, au sens marxiste du terme, il y a aussi une tradition anti-juive de gauche et même d'extrême gauche. Ça, c'est un premier point. Cela dit, je crois aussi que ce qui a fait que Céline a été, surtout après la guerre,
poursuivi et qu'on l'a empêché soit de publier en France à une époque, soit même d'y retourner, c'est pas tant, je dirais, la question antisémite qui, ma foi, a provoqué des réactions diverses parmi les associations d'anciens déportés et tout ça, personnes qui avaient été victimes du racisme hitlérien, mais beaucoup plus, je crois, le fait qu'il a écrit, bien avant Gide, ou en tout cas quelques mois avant Gide et avant Pierre Herbart, un pamphlet contre l'Union soviétique où il s'était rendu, j'allais dire, grâce à Louis Aragon, car Louis Aragon, Elsa Triolet, avait traduit en russe son premier roman, et il était allé là-bas toucher ses droits d'auteur. Il en revient et il écrit un pamphlet qui, à l'époque, va être aussi bien, je veux dire, appuyé et lu des anarchistes à la droite, qui s'appelle « Mea culpa », et qui est, en 40 ou 50 pages, donne le point de vue, j'allais dire, du prolétariat sur la question bureaucratique soviétique. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a vu là-bas, c'est les commissaires politiques gras, les commissaires politiques qui mangent sans arrêt, un bureau politique qui, au lieu d'être aussi exsangue que l'est le peuple russe dans sa vision qu'il a à ce moment-là de la Russie, apparemment a profité de la révolution. C'est le profit qu'il décrit. Et ça, je crois que la gauche française, je vais dire les communistes français, ne lui ont pas pardonné. Et c'est bien plutôt à cet endroit précis que se déclenche le cas Céline dans la politique et pas avec Bagatelle pour un massacre. Ça commence à mea culpa. Raphaël Sorin, est-ce que vous partagez le point de vue de Gérard Guégan ? Oui, enfin, sur l'essentiel, je le partage. Notamment, je pense comme lui qu'il ne faut pas détacher les textes dits antisémites de Céline du reste de son œuvre. Parce que c'est trop commode, si vous voulez. Si on dit c'est un salaud, c'est une ordure, à ce moment-là, il faut brûler toutes ces lignes. Ou bien si on dit oui, c'est pas mal, c'est un grand écrivain, ou c'est un génie, ou c'est le plus grand écrivain de notre époque, mais malheureusement, il a écrit des textes fâcheux, à ce moment-là, on est malhonnête, d'une part, et d'autre part, on ne comprend pas ces lignes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment des textes comme Les Beaux Draps ou comme Bagatelle pour un massacre s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler la mosaïque ou la construction célinienne. Alors je pense d'abord qu'il faut dire ça, parce que c'est très important. Il faut dire aux gens, lisez tous ces lignes et avalez-le si vous en êtes capable, ou bien si vous n'aimez pas ça, bah, lisez des choses qui vous font plus plaisir, lisez votre journal, lisez votre hebdomadaire, mais foutez-nous la paix avec ces lignes, vous n'avez pas le droit d'en parler. Voilà, c'est presque ce que je pense. Si vous... C'est incroyable, enfin. C'est un peu compliqué, parce que on voit ça avec des yeux d'après-guerre, et on voit ça avec des yeux de gens qui ont le massacre de je ne sais combien de millions de juifs dans la tête. Il faut quand même bien se mettre dans la tête qu'en 37-38 et avant, c'est la France entière qui était antisémite et pas simplement le docteur Louis Destouches. Bon. Bagatelle pour un massacre a eu, je crois, un tirage de 200 000 exemplaires. C'est plus vendu que Le Voyage. Oui, plus que Le Voyage, plus que... Bon. C'est-à-dire, c'est les grands, grands, grands best-sellers, c'est des trucs fantastiques, vous voyez. Bon. Alors, ça a fait un scandale. Alors, bon, à mon avis, le scandale n'a pas été antisémite. Si on le voit comme ça au premier degré, c'est infect, c'est vrai, c'est abject. Sauf qu'il s'adresse dedans, il y a une espèce de double jeu, il s'adresse à son pote qui est juif et qui lui dit « Oh, t'es antisémite, Ferdinand, c'est pas bien ». Mais il y a un autre tiroir à Bagatelle pour un massacre que savent fort bien les gens qui l'ont lu, c'est que la première partie est une espèce de charge de bouffonnerie antisémite et que la deuxième partie est, on disait à l'époque, anticommuniste, elle est antistalinienne, c'est-à-dire que donc l'histoire est très rapide, il est allé là-bas invité après la publication du Voyage, etc. Il est allé en URSS. Bon, il y avait des gens qui allaient en URSS à l'époque, on promenait comme des princes, on leur montrait ceci, ils disaient « Ah, qu'est-ce que c'est merveilleux !» et ils revenaient communistes. Alors on avait l'impression que Céline, ça allait jouer à fond. Alors manque de peau, lui, il s'intéressait à ce que portaient les gens, aux godasses, aux machins, à l'état des hôpitaux, il regardait tout ça.
avec un œil de bonhomme aussi, qui aimait le paradoxe, mais avec un bonhomme qui avait quand même vécu dans ce qu'on appelle les classes populaires, parce que ça c'est vrai aussi, qu'il s'est quand même trimballé toute son enfance, toute sa jeunesse, parmi les commerçants, dans les boutiques, dans les machins, dans les ateliers, il connaissait ces gens-là. Et il pouvait aller au bout du monde, il n'allait pas se laisser berner, comme quand même certains littérateurs appartenant à une bonne bourgeoisie, pour qui, je veux dire que les prolos ont été aussi étrangers, sinon plus en France même, que partout dans le monde. Ils ne pouvaient pas avoir ça. Bon, on leur racontait, alors ils croyaient de bonne foi. Encore que Gide, il avait eu un petit peu de l'œil aussi. Je veux dire, Céline n'est pas le seul qui avait. Alors, Céline est revenu, on dirait maintenant, anti-stalinien. Tout le dernier tiers de Bagatelle pour un massacre, on ne le dit jamais, n'est pas antisémite. Il ne pleure plus du tout des juifs. Il parle des communistes et il parle de ce qui se passe en Russie. La misère russe que j'ai bien vue, elle n'est pas imaginable. Asiatique, dostoïevskienne, un enfer moisi, à ressort, concombre et délation. Le russe est un geôlier né, un chinois raté, tortionnaire. Le juif l'encadre parfaitement. Rebut d'Asie, rebut d'Afrique, ils sont faits pour se marier. C'est le plus bel accouplement qui sera sorti des enfers. Je me suis pas gênée pour le dire. Après une semaine de promenade, j'avais mon opinion bien faite. Nathalie, elle a essayé, c'était son devoir, de me faire revenir sur mes paroles, de m'endoctriner gentiment. Et puis elle s'est mise en colère quand elle a vu la résistance. Ça n'a rien changé du tout. J'ai répété à tout le monde, à Leningrad, autour de moi, à tous les Russes qui m'en parlaient, à tous les touristes, que c'était un pays atroce, que ça ferait de la peine aux cochons de vivre dans une semblable fiente. Et puis comme ma Nathalie, elle me faisait de l'opposition, qu'elle essayait de me convaincre. Alors j'ai écrit à tout le monde sur des cartes postales pour qu'ils voient bien à la poste, puisqu'ils sont tellement curieux, de quel bois je me chauffe. Parce que j'avais rien à renier, moi, rien du tout. J'avais pas à mettre des mitaines. Je pense comme je veux, comme je peux, tout haut. Or, je sais pas si vous vous rendez compte, mais être anticommuniste, là je juge pas, hein, des choses, mais être anticommuniste en 38, écrire un truc aussi violemment anti-soviétique en 38, c'était beaucoup plus se mettre la mitraillette sur, se faire mettre la mitraillette sur le bide, que d'écrire des insanités sur les juifs. En d'autres termes, en 44, parce que bon, je veux dire, entre 39, c'est pas pour le défendre le bonhomme, je veux dire, mais quand même, il n'y a pas des écrits, il a écrit quoi, 2-3 crottes pour rien du tout, quelques petites participations, même pas à des journaux pour un collaborateur fantastique, merci, on trouverait mieux. Ben, je veux dire, on ne peut pas dire que Céline. On ne peut pas dire que ces actes de collaboration, il n'y en a pas. Alors c'est quand même marrant. Ces actes de collaboration, ce sont ces écrits antérieurs, lesquels étaient d'ailleurs tout à fait mal vus par les nazis et par le système Hitler et allemand.